de vous abonner, liker, commenter, partager. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Bonjour les copains et les copines, on espère que vous allez bien. Oui, et on se retrouve pour une vidéo pour un... Quoi dans mon sac d'école. Voilà. Alors déjà, tu nous remontres ton sac, chérie. Voilà. Donc voilà, vous vous souvenez, ça c'est le sac d'école de Zineb, regardez. Tu nous montres sur le derrière. Voilà, tout simple. Donc bah tu nous montres ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti. Allô, ça va? Oui, ça va. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a mon classeur. Ah oui, ce classeur, je l'avais oublié, avec les petits cœurs. Tu nous montres le derrière, hein, du classeur? Et là, il y a écrit Mike, Miss Lime, Rongeau. Regardez. Miaou, voilà. Miaou. C'est trop mignon. Trop mignon. Il est trop beau, franchement. Ouais, il est magnifique. Et à l'intérieur, il n'y a rien? Il n'y a pas de dessin, rien? Non, classeur tout simple, 4 anneaux. Ok. Donc, un grand classeur. Ensuite, il y a une chemise. Oui. Rose, c'est normal. Toute simple. Et t'en fais les cuits. Et il y en a un, et une autre violette. Ah oui, parce que c'est toi qui les avais choisis. Ils ne demandaient pas les couleurs à l'école. Heureusement. Ok, donc deux chemises, toutes simples, à rabat. Tu ouvres l'intérieur juste pour montrer. C'est à rabat. Voilà, toutes simples, hein. Des chemises. Ok, deux grandes. Bon, encore du rose. Un lutin rose. Combien de pages? Je crois qu'il y en a 40 ou 60. Il n'y a pas écrit. Je sais pas. Ça doit être 40 ou 60. Donc voilà. Tout simple. On ne se souvient plus des pages, mais il me semble que c'était pas beaucoup. Hein. Mais vous voyez, j'ai trois articles roses, on va juste de commencer. Hein. Ouais, bah, t'es pas une fille pour rien. Ça, alors, c'est... après. Voilà. Ensuite, il y a ça, c'est quelque chose qu'on met dans le classeur et on écrit les matières ici pour en fait pouvoir se repérer. Des intercalaires. J'en avais l'année dernière. D'accord. Et tu les as pas mis dans ton classeur, hein? Il va falloir que tu les places dans ton classeur, chef. Après, je les mettrai. Oui, il va falloir que tu les mettes, oui, tout à fait. Donc voilà. Donc, bien sûr, tout ce qu'il y a dans son cartable, c'est ce qu'elle prendra lundi pour la rentrée. Voilà. Ah, mon ardoise. Ah, j'aime bien la couleur. Moi, j'adore. Elle est trop belle, oui. En fait, ça change des couleurs de l'habitude que je prends. L'année dernière, c'était saumon, avant rose. Rose, oui. C'est tout le temps des couleurs. Donc voilà, et une là, ardoise toute simple avec l'effaceur. Et le petit stylo. Et l'autre côté, c'est avec des lignes, je crois. Oui. Bah, voilà, tout ça. Voilà, tout ça. Ok. Voilà. Ensuite, il y a un Becherel, la conjugaison. Ah oui, le fameux Becherel. Pourquoi ils ne veulent pas conjugaison et français? Et grammaire, ils veulent. Et grammaire, oui. Bah après, chacun fait comme il veut. Hein. Donc, fais voir, donc Becherel, la conjugaison pour tous. Voilà. Hein, de chez Attier, tous les tableaux modèles, les règles de conjugaison et des cartes mentales. Voilà. Voilà. Alors, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a mon agenda avec des stickers. Il est beau et en plus il y avait des stickers. Tu vois? Je trouve de le prendre. Donc, Little Preppy Sweet. Fais voir. Oh, ah oui, autocollants à l'intérieur. Tu les as déjà utilisés? Non. Non. Tu nous montres les autocollants à l'intérieur? Alors, par exemple, il y a... Je vous montre pas tout parce que sinon... Voilà. Par exemple, il y a ceux-là. Ah oui, d'accord. Oh, ah, ça, c'est des autocollants. Oui, c'est des autocollants. Sympa. Là, on voit un peu les rivières. Oui. Je vous en vais en montrer un autre. Ok. Une autre. Ah, attends. Voilà. Ah, c'est pas tout ce qui ah est. Oui, ah oui, c'est joli. Hein. Ok, donc ça, c'est un agenda. Donc voilà. 2019-2020, bien sûr. Oui, ça va pas être 2020. Et tu passes en quelle classe, chérie? Parce que tout le monde ne le sait peut-être pas. CM2. Un CM2. Voilà. Alors, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre, chérie? Une chiffonnette. Une chiffonnette. Je voulais trop en avoir une, mais... Donc coup, ça, bien sûr, c'est pour l'ardoise. Ok. Même s'il y a un autre truc, déjà. Alors, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ensuite, il y a mon compas. Je trouve trop beau. Et là, il y a encore un petit peu de rose. Hein, donc, le compas. Même pour le compas, ça doit être rose. Hein. Voilà. Voilà. Compas. Compas. Ok. Après.
la raie de 30 cm. J'avais la même l'année dernière, mais en 20 cm. Ah, donc elle est déjà toute, toute tordue, ta règle. Mais ça se remet, c'est un truc qui est extensible. Ah, bah, j'espère bien, parce que... Regardez, les copains. Attends, pas, tu attends. Fais pas ça pour rien. Attends, regardez. Elle est déjà toute tordue, sa règle. J'espère qu'elle va faire l'année. Bah, l'autre, elle l'a fait. Et c'était que 20 cm. Ok, donc rose. Bah, bien sûr, elle n'est pas prendre du verre. Maintenant, c'est cette pochette-là. Alors, oui. Et à l'intérieur, j'ai déjà tout rangé. Ah, tes trousses, tu les as mises là déjà, sur le devant? Parce que j'avais déjà tout déballé. Tout. D'accord, donc déjà, tu nous remontes déjà tout avant tes trousses. Alors, ça, c'était pour les affaires d'école, genre crayons, feutre et tout. Parce que aussi, j'ai trouvé ça trop sympa. Parce que si il y aurait que eu ça, non, quand même, j'aurais pas pris. Mais en fait, j'ai trouvé trop sympa le petit truc là. En plus, tu peux le détacher. Voilà. Ok, donc tu tournes de l'autre côté. C'est noir. Tout simple, d'accord. D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu as mis dans le rose? Alors, attends. Donc, tu as mis quoi dans la petite trousse rose? Alors, bah, attends, je vais détacher parce que sinon, c'est un petit peu dur de faire. Voilà. Donc, comment tu vas faire à l'école? Bah, je détacherai. D'accord. Parfois, tu peux faire, mais c'est un petit peu dur. Ok, donc là, dans la petite trousse rose, qu'est-ce que tu as mis? J'ai juste mis ma petite gomme. Qui est violette. D'accord. Et j'ai mis mon porte-mine. Voilà, et j'ai choisi la couleur bleue. Ah, c'est bon, je l'avais pas vu celui-là, tiens. D'accord. Un porte-mine. Et c'est tout ce qu'il y avait dedans? Oui. Ok. Juste mis ça. Parce qu'en plus, c'est un petit truc, donc tu peux pas mettre énormément de choses dedans. D'accord. Voilà. Donc là, elle referme. Ah, attendez. Ça c'est quand même dedans. Et donc, et dans la noire, qu'est-ce que tu as mis? Alors, dans la noire, j'ai mis. Okay. Mes ciseaux. Donc tu as mis tes ciseaux, noir et rose. Ok. Donc cette année, il n'y a pas besoin de mettre ton nom et ton prénom dessus. Hein. Ouais, non. Bah, non, l'année dernière, je voulais pas. Mais... Oui, bah oui, je sais. Mais voilà, c'était obligatoire de mettre son nom et son prénom sur toutes les affaires. Tu peux quand même les faire, faire. Donc il fallait les mettre sur tous les stylos, sur tous les crayons de couleur, sur tous les feutres. Il n'y a pas besoin, bah, j'espère. Alors après, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ta trousse? Donc des ciseaux. Parce qu'en plus cette année il y a deux fois plus d'articles, enfin de choses. Oui. D'accord. UHU, SIC. Donc, t'en as pris un ou deux? Un tube ou deux tubes? Un seul. Un seul, ok. Ouais. Donc tube, bon, tout simple. UHU, avec des petits dessins. Après, qu'est-ce qu'il y a dedans? Un stylo friction bleu. Ah oui, ça, elle aime bien les stylos friction. J'adore. Vous savez, c'est des stylos où on écrit et quand on se trompe, on gomme par là, c'est ça, hein? Oui. Voilà. Ah, là, j'ai pris des mi-cam et là, je prends des frictions. Et là, encore dans le monde, j'ai pris des frictions. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un stylo friction rouge. Rouge. D'accord. Oui, parce que les stylos 4 couleurs sont interdits. Oui. Après? Un stylo vert, friction. Toujours friction, on reste dans le même thème. J'ai pris des recharges, heureusement. Mmh. Heureusement que j'ai pris des recharges, parce que l'année dernière, j'ai au moins utilisé 5 recharges pour le bleu. D'accord, après noir. Non. Un noir. Friction noir. Mmh. Et voilà pour les frictions. Deux surlignières couleur pastel, et choisi rose et orange. En plus, c'est toi qui m'as conseillé. Je ne savais pas lesquelles prendre. Voilà. Couleur pastel, un crayon à papier, simple, basique. Mmh. Tout simple, voilà. Un taille crayon, que tu fais comme ça pour, là il y a grosse mine et petite mine. Ok. Et là, c'est le réservoir. Voilà. Et un autre taille crayon, parce que je savais trop pas du tout, parce qu'en fait j'en ai pris un autre, parce que je savais pas du tout quel taille crayon. Ah oui, ce fameux petit lapin. Parce que je savais pas du tout lequel choisir. Ah oui. Comme et ça, alors, c'est un peu un gadget. Et donc finalement, tu prends les deux dans, dans la trousse. C'est ça, comme si t'es... En fait, ça, c'est un peu un gadget. Mais j'ai trop envie de le prendre. Ok. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est tout. C'est tout. Ok. Je remets tout. Donc tu remets tout et après tu nous montres dans l'autre trousse? Oui. Ok. Oups. Voilà. Oups. Voilà. Et j'ai mis l'autre trousse pareil. Ah oui, l'autre trousse. Aussi, parce ok, dans la petite poche en fait. Et donc tout rentre dans la petite poche devant. Oui, bah heureusement parce que bon. Ok. Ah, tu nous remontres juste l'intérieur de ton sac à dos. Non, la grande poche. Il n'y a qu'une grande poche en fait. Il n'y a pas de poche à l'intérieur. Ok.
D'accord. Et là, et la poche là, oui, ils sont magnifiques, c'est vrai. Ça fait penser à la au soleil. Oui, aux vacances. Ils sont bientôt finis. Alors, dans ta trousse de feutre, qu'est-ce qu'il y a? Donc la trousse déjà. C'est comme ça. Il y a deux pochettes à l'avant, comme ça, et une pochette à l'arrière, comme ça. Oui. Donc là. Ah, je crois qu'il n'y avait rien du tout. C'est ici carrément. Alors, donc là, tu as mis quoi là? Donc tous tes crayons de couleur. Et il y en a combien? 24, il me semble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24. Ok, donc 24 crayons de couleur. Bic. Qu'elle remet dans sa trousse. Et je mets du côté rose, mais je sens que je ne vais pas m'y retrouver là. Ok. Et de l'autre côté? Non, je crois que c'est là. Ah oui, c'est là. D'accord. Et là, il y a quoi? Et là, c'est les feutres. Oh là, et donc, là, heureusement, il y en a 24 parce que l'année dernière, il y avait des couleurs que tous j'avais. Tous ces feutres. L'année dernière, les couleurs que j'avais pas, c'était celle-là, celle-là et celle-là. Voilà. Et celle-là. Ok. Donc voilà. Et donc, ouais. Et donc, et dans l'autre petite poche, donc côté gris, il n'y a rien. Non. Non, tu mets rien pour le moment. Pour le moment. D'accord. Comme pour l'autre chose de l'année dernière, j'en ai mis, mais après j'ai mis des choses. Bien sûr. Alors bon, je vais. Donc voilà. Et ça s'ouvre pas, ça là? Ah non, ça s'ouvre pas. D'accord. Moi, je pensais que ça se s'ouvrait. Ou... Ok, donc là, tu remets tous tes feutres? Oui. D'accord. Ouf, il y en a beaucoup par contre. C'est super bien. Donc voilà, donc elle remet tout dans sa trousse. Donc bien sûr, tu prends tout ça dans ton cartable lundi. Quoi, dans une semaine, hein. C'est pas ce lundi-là. Hein. Là, c'est le week-end, mais c'est encore dans une semaine. Alors, est-ce que tu as hâte de reprendre les cours ou pas? Trop. Oui, hein. Toi, les vacances, t'aimes bien, mais sans plus, quoi. Zina préfère l'école. Elle te manque, tes copines? Ouais. Ouais, beaucoup. Trop. Il n'y a pas de préférence. C'est bien, mon cas. Donc, bah, tu remets tout dans ton cartable, peut-être? Oui. Comme ça, c'est mais fait. Ah, là, je vais faire le récap. Tu fais le récap? Ah, d'accord. Trousse de crayon et feutre. Que tu mets où? Ici, à la petite poche de devant. Et là. T'es sûre que ça rentre? Mais oui, comment j'ai pu mettre les deux alors avant? Oh là là, moi je suis pas sûre, hein. Yeah, ouais. C'est parfait. Ok. Donc voilà, donc ces deux trousses sont rentrées. Et là, tu mets quoi alors maintenant? Ah oui, il y avait aussi la trousse de d'affaires, on va dire que j'ai pas à montrer. Enfin, si j'avais. Je vais mettre d'abord les plus gros, donc le classeur. Et puis, il est trop génial. En fait, ça, je pense que c'est mon truc préféré, en fait. D'accord. Petit, il n'est pas si petit que ça. Ah, tu faudras que tu mettes les intercalaires, chérie. T'as encore oublié dans les classeurs. Ah, ouais, je vais mettre tout de suite. Bon, bah, elle met ses intercalaires et on vous reprend. Yes. Donc, voilà. C'est donc, bon, j'ai mis mes 6 intercalaires. Alors, voilà ce que ça donne. Voilà. Voilà. Très bien. Le lutin rose. Lutin. C'est un lutin. Pardon, le lutin. Yes. Rose. Voilà. Là, elle nous parle en une langue que je ne connaissais pas. Brou et Vera. Parfait. En fait, je ne lâche pas l'anglais. Pêcherai de conjugaison. Ah, je sais pas si c'est la fin des vacances qui lui fait ça ou la reprise des cours, je sais pas. Mon Dieu. Ah non, t'as encore oublié deux choses. Ah. L'archifonnette. L'archifonnette.
chiffonnette. La pâte à tête. Là, on part en Italie. On part à Rome. Et la fameuse règle toute déformée. La règle déformée. Ouais, ben j'espère que tu vas pouvoir te l'utiliser. Hein. Et ça peut aussi servir d'épée. Voilà. Une règle d'épée. Et donc, voilà ce qu'il y a dans le sac de cours de Zineb. Ah oui, c'est comme ça que je m'appelle. Et bien sûr. Oh, on a oublié le plus important. C'est quoi, maman, le plus important? Je sais. Où est-ce que j'ai transporté toutes ces affaires, moi, pendant que c'est l'école? Dans mon sac de cours. Et voilà le sac de cours à Zineb. Donc voilà ce qu'il y a dans son sac de cours. Bon, bien sûr, après, je pense qu'à la rentrée, la maîtresse ou le maître vont demander d'autres affaires, bien sûr. J'aurai d'autres cahiers. Est-ce que tu crois que tu vas refaire du roller d'ailleurs cette année? Nabil, je pense que lui, ils vont le demander. Oui. J'espère. Ouais. Parce que l'année dernière, tu avais fait quoi? Tu avais fait du roller, tu avais fait de la natation. Tu n'avais pas fait de l'escrime? Non, ou c'était l'année d'avant. D'accord. Oui, dans cette école. Oui, dans cette école, ils proposent pas mal de sports et c'est super. Donc voilà, nous espérons que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Et on se dit à très bientôt. Ciao!